l'arrestation d'Arabes est illégale et arbitraire. Dans la juridiction des Caraïbes, précisez. L'arrestation d'Arabes est illégale et arbitraire dans la juridiction des Caraïbes. C'est commissaire gouvernement de Port-au-Prince qui émet mandat. C'est commissaire gouvernement de Port-au-Prince qui peut arrêter. Si vous arrêtez Arabes au Caraïbes, il faut que mandat est visé au Caraïbes. Et mettez le commissaire pour montrer qu'on a visé mandat au Caraïbes. Arabes qui est dans une grande prison. Je dis la prendre pile pour cause d'amour, je menace pour tirer là-dedans. Et moi, dis la vie du militant arabe se trouve entre les mains du commissaire du gouvernement de Kaï. Yo pas qu'à arrêter arabe dans l'autre juridiction si ce n'est pas commissaire du gouvernement, l'autre juridiction qui commande la MDL. Dire que le commissaire du gouvernement de la ville de Kaï n'a pas maîtrisé rien dans sa que les procédures pénales. Rien. Le commissaire du gouvernement. Avec tout respect pour lui, malheureusement, qui a fait tout le bagaille, sauf le droit. Bon, m'expliquer pour qui ça. La situation, c'est quoi? Vendredi, comme avocat, nous nous sommes rendus au parquet de Port-au-Prince pour solliciter un report à 15 ans. C'est une procédure qui est de droit. C'est une pratique qui est de droit. J'ai reçu accusé de réception de la part d'un commis parquet qui s'appelle Josué Midi. Tout le monde est sous les oies. Ça veut dire, yo, bam, report à 15 ans. Le report à 15 ans m'a été accordé. Alors, par contre, si le commissaire est outré, fâché, frustré, le commissaire de la juridiction de Port-au-Prince est passé outre de cette demande de report. Il fait mandat d'amour. Attendez bien. Maintenant, si, attendez bien, c'est le commissaire gouvernement Port-au-Prince qui fait mandat d'amour des Arabes. Arabes ne peut être arrêté sur une autre juridiction ou bien dans une autre juridiction. Si ce n'est pas commissaire gouvernement, l'autre juridiction te demande d'aller. Je reprends. Yo pas qu'à arrêter arabe non l'autre juridiction si ce n'est pas commissaire gouvernement, l'autre juridiction qui demande d'aller. Et ce qui m'étonne, ce qui me lamente, ce qui me stupéfie, ce qui m'écœure, c'est que où est le commissaire gouvernement? Qui te voit le commissaire gouvernement? Le commissaire gouvernement a joué le policier. On dirait que c'est le commissaire gouvernement pour le président qui dit: ah, mon cher, moi, émettre un mandat d'amener contre l'arabe. Quand il y a le commissaire gouvernement au Canada qui te voit, il va l'exécuter. On, commissaire gouvernement pour le président. Et le commissaire du gouvernement n'est pas là pour faire exécuter des mandats d'amener émis par un autre commissaire. Jamais. Un commissaire à qui pour émettre un commissaire pour presser mettre amené qu'on a pressé moins qu'à pas amener à mal exécuter. Non, d'ailleurs les mandats d'amener sont toujours adressés aux policiers, aux commissaires et à la DCPJ. C'est dit où dit tête qu'on y a là, est-ce que commissaire gouvernement qu'on le dit, est-ce que commissaire gouvernement qu'on a fait, est-ce que commissaire gouvernement maîtrisé les méandres de la procédure, c'est très important. Parce qu'aucun commissaire gouvernement ne doit rien. C'est-à-dire, non démarche comme ça, ou après comme avocat, j'ai été obligé de prendre la parole parce que l'arrestation d'Arabes dans la ville des cas est illégale et arbitraire. Moi, mettez commissaire gouvernement au cas là, au défi, pour dire qui mandat d'amener le gouvernement. Une seule façon de arrêter, si mandat d'amener, c'est qu'il est arrivé au CAI, le arrivé dans la juridiction au CAI là, commissaire au CAI là, pour viser mandat. De quoi il fait viser mandat, pour un mandat qui a produit effet sous juridiction au CAI là, ou bien dans la juridiction au CAI là. Maintenant, le fait que commissaire gouvernement au CAI là, décide par A plus B, exécuter, pour un mandat, c'est toujours commissaire pour quoi vous ne pas connaître, pas connaître ce travail avec, pas connaître. Mais le fait que le commissaire gouvernement Kaila décide à exécuter de son propre gré, de son propre chef, sans qu'il ne la police, lui, mandat d'amener que le commissaire gouvernement pour le secteur, ah, mon cher,
là nous avons le désordre, nous avons la dictature, nous avons la violation des droits humains. Parce que le commissaire gouvernement au Kaila n'a pas de mandat d'amener à Namel. Lorsque le téléphone, lorsque le commissaire au téléphone, il dit que c'est le commissaire gouvernement pour le passé qui instruit pour l'arrêter. Tenez bien. Qui instruit aucun commissaire gouvernement pour le présent, c'est le commissaire gouvernement, c'est collègue, c'est le camarade. Li. Et en matière, qui est sur magistrature debout, si vous voulez comme ça, pas de commissaire obligatoire, mais le commissaire gouvernement pour le dire. Il y a des balles comme ça. Non! C'est tout ceci pour dire que ce sont des autres qui font au caille. Ce sont des violations de l'homme qui font au caille. Le commissaire du gouvernement de caille a violé les droits fondamentaux du militant arabe. Sans pour autant que pas arriver à l'infraction. Moi, je mets le commissaire du gouvernement au caille au défi pour le bon, pour l'exhiber. Moi, je vais amener qui fait que arrêter l'arabe là. Non, pas gagné. Et qui l'a demandé au repos? L'a demandé au repos vendredi, jeudi à lundi. Qui l'a demandé à Tegeto Rivé? Et comment le commissaire gouvernement Tegeto connaît? Arab la Lokai. Mais, Nabdi, nous avons aimé que le commissaire gouvernement procède immédiatement à la libération d'Arab. Parce que le commissaire gouvernement n'a pas demandé à Namel. L'arrestation d'Arab est illégale et arbitraire. Dans la juridiction des Caïs, l'arrestation d'Arabes est illégale et arbitraire dans la juridiction des Caïs. C'est le commissaire gouvernement parlementaire qui émet mandat, c'est le commissaire gouvernement parlementaire qui peut arrêter. Si vous arrêtez Arabes au Caïs, il faut que le mandat est visé au Caïs. Et mettez le commissaire pour montrer qu'on a visé le mandat au Caïs. Donc tout ceci, c'est pour dénoncer le caractère arbitraire de cette arrestation. Yo dit à la prête pour un pire coup, à la prête pour un pire coup, et si à la bon problème, je remets la vie du militant entre les mains du commissaire du gouvernement de Kaï. Que M. Richemont, pas qu'on est commandé de comme avocat, comme défenseur des droits humains, je surveille le respect scrupuleux des droits humains sans pour autant pas cautionner les autres. L'avocat est le défenseur de l'application de la loi. C'est-à-dire, si on commet ça viol de droit, nous allons dénoncer. Et au niveau du cabinet, qui ça nous va le faire? Puisque il y a une violation des libertés individuelles, avocat va le faire ça, habeas corpus. Si on ne peut pas arrêter, nous allons faire un habeas corpus préventif. Nous allons faire un habeas corpus restrictif, parce que arabe dans la prison, arabe est dans la grande prison. Il dit la prendre pile pour cause d'amour, menacer pour tirer là-dedans. Et moi, dit la vie du militant arabe se trouve entre les mains du commissaire du gouvernement de Kaï. Et malheureusement, nous constatons que il y a des qui occupent de gros postes, mais qui ne maîtrisent pas les moyens de la procédure. C'est-à-dire que le commissaire gouvernement de Kaï n'a pas là pour l'exécuter. On a amené un autre commissaire gouvernement. Ça ne se fait pas. Mais il y a quitté la procédure, il y a quitté ça pour faire, il y a quitté le job. Li quitte moun ki nan prison nan jidison au kay pou la rete militant nan fait des manches pressé et soupe nous allons nous battre pour obtenir la libération du militant arabe appelé Mientimans pouvoir pas jan voye arabe par avion jamais yo konnen son méchant se va le faire nèg la et li va faire piton nan prison et ça qui m'a fait bien ça tendez bien tendez analyse ça oui c'est que où était au cap ou besoin de retourner au cap et puis nèg la traverser Port-au-Prince nèg Port-au-Prince pas ta arrêter nèg au cap là si c'est pas mandat sur cap là vinn Port-au-Prince et mandat qui fait contre arabe là pas qu'il arrive au cap ça veut dire y arrêter arabe sans mandat au cap sans mandat yo te ka arrêter arabe de manière légale si commissaire même au cap là te gen mandat d'amener des arabes tout. Ou bien tout si mandat pour Port-au-Prince te rive au cas et puis commission vraiment divisée. C'est pas la bonne procédure, c'est une démarche arbitraire. Donc je remarque au niveau de la juridiction des cas, on ne respecte pas la liberté individuelle. Et mais qui démarche là? Démarche c'est que avant de voir le vinyle pour le printemps, pas de passage dans rien. Vous entendez?
est-ce que le commissaire gouvernement a accepté vous voyager par avion? Non. Ça veut dire alors pour passer en pile dans la prison, il faut commencer à faire bien. Est-ce que nous avons une libération provisoire? Eh bien, ça ne peut pas faire bien comme ça. Quand il y a un mec par 20 là comme ça, lui qui est arrivé là, qui constitue ensemble avec moi, pour le dossier arabe là, qui va le faire dimanche, nous allons le faire demain après 5 ans entrer. Dans la ville locale pour nous faire un BASCO pour se presser devant le doyen, pour le doyen ordonner libération après se presser. Parce que l'arrestation est arbitraire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mandat. Le commissaire a dit serrer les commissaires au parlement, il a dit arrêtez monsieur Romain. Nous sommes dans une société, côté il y a pour l'état de droit, toujours dit. Il a dit le commissaire dit c'est le commissaire Romain qui instruit, j'en ris. Parce que ce n'est pas la procédure, ce n'est pas la bonne procédure, ce n'est pas la meilleure procédure. Et le commissaire du gouvernement n'est pas là pour exécuter le mandat, nous disons déjà. C'est la police qui fait. Vous avez dit non? Un commissaire pas qu'à instruire ça. Il est commissaire au même titre que vous. Tandis qu'ils sont violents sur le monde, sont des ordres du vagabondage. Vous avez dit non? Qui nous offusque nous-mêmes pour dénoncer le caractère arbitraire et illégal de l'arrestation. Rapide, ou après cabinet d'être préparé, il y a une requête suivie d'ordonnance. Pour demander doyen libérer correctement pour présenter par devant commissaire pour devenir correctement. Merci. Mais nous on qui j'ai réalité à y dans tout le monde depuis on connaît au gamin d'ailleurs ou soit ou à l'équipe de l'IA ou bien ou à d'ailleurs est-ce que c'est pas dans ça qui fait et livrer les commissaires justement pour arrêter? Non, nous sommes en procédure. Nous sommes en procédure. Il n'est pas capable de réaliser. Donnez-moi les faits. Réalité à Jean que. Non, c'est avocat nié. Je défends ce que dit la loi, pas d'une réalité. Réalité, n'importe qui a défini une réalité. N'importe qui. Même à part de droit. Donnez-moi les faits, je vous donne le droit. Qui ça doit dire? Doit dire pour m'arrêter tout le monde, il faut me mandat. Et l'arrêter arabe sans mandat. Et il faut une logique avec nous. Malé vendredi, je demande un report. Dans vendredi après-midi, le mandat est sorti. Ah oui? Nous faisons samedi, nous faisons dimanche. Si le mandat est révoqué. Est-ce que le commissaire gouvernement te connaît, un avocat? Il ne connaît pas. Puisque en termes de commissaire gouvernement dit à l'avocat, eh bien, il y a le commissaire gouvernement qui dit, mais tel avocat, oui, il y a le commissaire gouvernement qui dit, arrêtez monsieur. Il y a moi, comme avocat, il dit, il y a une irrégularité. Même dans le mandat de gouvernement, c'est désolé. Myrtil Marcelin, alias arabe ou barbe. Dans le mandat de gouvernement, même Port-au-Prince m'a écrit mandat mal écrit. Même Port-au-Prince m'a mal écrit. Quand il y a arrivé au cas, il y a arrêté sans mandat. Ouais, des soldats. C'est-à-dire que même le journaliste doit en danger là. Liberté en danger. Même mon cap écrit mandat pas écrit. Même mon cap rédige cap écrit, faction pas écrit. Et le commissaire du gouvernement a émis les mandats en violation de l'article 33 du CIC. Il dit, les commissaires du gouvernement émettent des mandats lorsqu'il y a flagrance. Vous savez, non? Alors, il y a interview depuis, il parle, il dit, le préfet, ça va pas le faire. Il y a autant 72 heures passées, il y a mis des mandats. Est-ce que vous avez quitté ça bien? Même comme vous connaissez, peut-être que vous avez dit, qui ne va pas rien. Je défends l'application de la loi. C'est pour être notre bataille. Notre bataille pour une société qui doit respecter les droits de l'homme, qui ne doit pas violer. Côté que ni moi-même ni vous-même qui circulent librement. Des prisons senties déjà. Des Arabes qui ont commencé à présenter ces prisons senties. Voyez le pénitentiaire, la pire est toujours. Et n'importe quel monde pour en sécurité si nous quittons. Violation faite en cascade. Donc je dis à la, n'a pas annoncé la population, n'a pas annoncé le pays, que le cabinet avocat, tout ce qui est M. Président, un gros bout d'avocat, M. Gerbi, tout gros avocat, ça, nous devons pas réfléchir, mais pas lever tout. Nous ne pas réfléchir pour notre famille comme ça. Rapide pour lui. Il a fait pour nous un abdine qui n'est pas compétent pour statuer sur la liberté individuelle là. Une grande plus respect pour ça, mais cependant, le doyen est le juge né de la liberté individuelle. Depuis arrêtons au premier monde qui vous tendez ces doyens. Donc démarchez par la boutique. Démarchez nous-mêmes, nous commençons à démarcher. Nous travaillons et nous espérons, nous souhaitons que le droit triomphera. Si nous perdons notre première instance, n'a pas été à ce appel parce que la défaite du droit est éphémère.